C'est quoi une maladie rare ? Je vais tout t'expliquer. Une maladie rare est une maladie qui touche moins de 5 personnes sur 10 000 dans la population. 3 à 4 millions de personnes sont concernées en France. Un malade sur deux est un enfant. 95% des maladies rares sont orphelines, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de traitement pour soigner les personnes atteintes. Ah ouais, quand même! On en connaît plus de 7000 différentes. Des maladies rares sont génétiques, ça veut dire qu'elles sont causées par un ou plusieurs gènes qui fonctionnent mal. Et du coup, c'est quoi un gène ? Une partie de l'ADN, le code qui contient toutes les informations sur ton corps. Les chercheurs essaient d'identifier le ou les gènes qui posent problème. Je crois qu'on y est presque. Sans cette étape, ils ne peuvent pas trouver un traitement pour soigner les malades. Nous avons beaucoup de retard dans l'identification des gènes responsables. Un patient sur deux ne sait toujours pas de quelle maladie il souffre. Heureusement, grâce aux associations et aux nouvelles technologies, les choses avancent.